Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17, les amis, nouvelle vidéo un petit peu spéciale de saison, j'ai envie de dire, petite vidéo déneigement, pardon, je sais que ça vous fera plaisir tout simplement. Alors je suis pas le premier à faire des vidéos déneigement bien sûr, mais j'avais envie de faire également ma petite vidéo parce que voilà, cette saison ça me faisait plaisir. Et j'avais jamais vraiment testé avec le mode saison, parce que là en fait il y a la neige avec le mode saison qui est dispo sur le mode hub. Je crois que même sur console vous pouvez l'avoir, je pense, si je dis pas de bêtises, ce mode. Donc du coup c'est plutôt pas mal fait. Donc je trouve ça vraiment intéressant avec le mode saison. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec le mode saison. Je crois qu'il fait bidouiller les trucs sur Giant et tout, pardon. Mais c'est plutôt pas mal, donc vous allez voir ça. Donc les amis, comme vous l'avez vu normalement sur la miniature, ce n'est pas cette lame là, ça c'est la lame de base, mais il faut savoir que la lame, attendez, on va aller voir là-bas, hop, tac, 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 ici, tac, elle est où? Elle est là, je l'ai mise là. Il faut savoir que les amis, que cette lame là, alors c'était celle-là que je devais utiliser, mais elle ne fonctionne pas avec la neige, enfin, moi du moins j'arrive pas à la faire fonctionner, pourtant elle était vraiment parfaite, et je n'arrive pas à la faire fonctionner, je suis vraiment dégoûté. Donc du coup, j'essaie de vous mettre le lien, sinon vous tapez je crois Rasco, ou Snow sur Snow, donc neige en anglais bien sûr, vous tapez Snow sur le site GameSmod, c'est là que j'ai trouvé. Je pense que vous pourrez la trouver facilement, vous essayerez de la tester, vous me dites en commentaire si elle marche. Moi ça ne veut pas, donc bon, écoutez, c'est pas bien grave, hein. C'est pas le plus grave. Donc du coup les amis, donc oui, par contre la neige, je savais pas, mais la neige ça fait laguer de fou. On a une chute de FPS qui est assez importante. Mais bon, vous voyez qu'on n'est pas du tout à 60 FPS constant, loin de là. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave. Donc j'ai des modes, enfin surtout un mode les amis encore bien sympathique. Ah merci Asus, ça fera plaisir à certains, ça faisait longtemps. Hop, voilà. Donc j'ai, au niveau de la masse les amis, j'ai pris cette masse un petit peu en béton, un petit peu faite maison, avec les balais, avec un balai, une fourche, une pelle. Donc c'est vraiment, je trouve, pratique pour... ça va plutôt bien avec ce qu'on va faire, je trouve. Donc ça rend plutôt bien. Et le petit Fen 720 les amis, by Arsenic Modding. Alors s'il passe par là, bah, je tenais vraiment à le féliciter pour ce mode qui est juste magnifique. Il est vraiment d'un... Enfin, il est juste magnifique ce mode. Vous voyez que le tracteur déjà tremble. Je sais pas si vous avez bien voir. Regardez le capot, là il tremble. Vraiment avec les vibrations, tout ça, même à l'intérieur, regardez tout. Il tremble de partout, les garde-boue, regardez tout ça, la cabine. Enfin, c'est vraiment pas mal fait. Hop, je vais mettre ça. Je suis pas sûr, donc on peut pas ouvrir la porte de l'extérieur. Donc juste vous faire un petit peu le détail les amis, vite fait, de ce mode. Faut savoir qu'on a les caméras sur ce tracteur, suivant le... Ah merde, d'accord, j'ouvre la tête. Vous avez différentes caméras pour l'attelage, tout ça. Regardez ça un petit peu, les amis. Regardez ça un petit peu. Franchement, c'est vraiment, vraiment stylé. Donc je sais pas si on va utiliser les caméras, puis vous pouvez l'éteindre là. Voilà. Après, vous pouvez mettre ici, je crois que c'est les warning signal. Si je dis pas de conneries. Voilà. Enfin, les warning signal, n'importe quoi, les trucs signés sur les côtés. Vous pouvez bien sûr éteindre et allumer l'écran. Là, c'est pour le baisser et relever le relevage avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous pouvez mettre ici les feux. Donc là, j'ai mis les feux. Hop, vous voyez. Là, j'éteins. Là, je rallume. C'est vraiment les feux de travaux. On peut enlever, bien sûr, et mettre les garde-boue. On peut, je crois, replier les rétros, si je dis pas de bêtises. Juste comme ça, ou carrément. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein. On va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le toit qui... Le... Ah, qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Ok. Donc là j'ai ouvert le toit, mais comment on fait pour le... Ok. D'accord, ok. C'est pas bien grave. On va juste refermer la neige, j'essaie de regarder. Voilà, c'est là. Ouais, donc voilà. Ok, on peut allumer, je crois, ici le petit. Voilà, là, vous avez une petite lumière intérieure. Vous avez le biais sur le joystick et les pédales qui bougent, qui sont animées. Donc c'est vraiment stylé. Tableau de bord tout éclairé. Siège passager également, je crois. Voilà, enfin bon, bref, vous avez énormément d'options. Donc les amis, sans plus tarder, commencez ce petit déneigement. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que. Que Noël s'est très bien passé pour vous. Mais écoutez, c'est plutôt bien passé. Hop. Alors là, il y a un gros tas. Alors on va essayer de partir par là-bas. Franchement, la neige est vraiment bien gérée, hein, sur ce, avec ce mode saison. Là, ça rend vraiment bien. Enfin, je trouve. Hop, voilà. Faire ça comme ça. Bon, la lame est hyper large, mais bon, ça prend toute la route. Au final, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Hop, putain, par contre, là. Ah ouais, mais là, je vais être obligé d'en mettre sur le côté. Là. What the fuck? Merde, je suis dans la clôture. Hop, partir comme ça. Et franchement, c'est... Ah!
What the fuck? Ah ouais, là il y a de la neige. Là il y a vraiment de la neige. Et puis ça arrête pas de tomber en plus. Donc hop, essayer d'en mettre un petit peu sur le côté comme ça. Est-ce que ça veut y aller? Voilà, comme ça dans le champ. Hop, on va essayer de faire ça du mieux qu'on peut. Hein. C'est pas gagné, mais. Mais. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des endroits ça veut pas en enlever. Vous voyez comme là. On va essayer de reprendre, on va voir. Ah si, ça enlève. D'accord, c'est moi qui ai. Allez, non, il y a pousse. Allez, pousse, pousse, pousse. Putain, alors là c'est chaud. Ah ouais, mais là il y a une montagne de neige, les amis. Fou. Ah ouais, alors là je me suis pris un petit peu comme un manche là. Ah ouais, là c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Oui, les amis, que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit. Et là, ça veut plus, putain. Ouah, ce truc de fou. Ce truc de taré. Hop. Allez, pourquoi tu. Ah, c'est chaud. Franchement, les amis, c'est chaud. Écoute, on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de continuer là. Voilà. Comme ça. Ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça me repousse tout. Putain, voilà. Hop. En fait, la lame que je devais prendre, les amis, elle est beaucoup mieux allée parce qu'on peut l'orienter sur les côtés. Et là, j'ai pas vu d'autres lames qui le faisaient. Enfin, voilà. Donc, je l'avais téléchargée sur le site Games Mode, ouais, cette lame. Comme je vous l'avais dit. Et putain, je suis vraiment dégoûté qu'elle marche pas parce que du coup, là, c'est un petit peu la galère. Du coup, un tout petit peu, hein, mais léger. Hein. Hop. Si vous voulez le lien d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez le lien du tracteur, les amis, c'est sur le site d'Arsenic Modding directement. Comme ça, vous aurez le lien original. Je crois pas qu'il soit dispo sur les autres sites de mode, hein. Mais voilà, allez sur le site d'Arsenic Modding, vous tapez Arsenic Modding, pardon, je mettrai le lien du site si j'y pense en description, parce que je sais qu'il y en a qui vont me le demander. Ah, j'ai pas mis le petit gyrophare, je vais pas mettre le petit gyrophare, hein. Et puis avec les warnings quand même, parce que là on est en déneigement quand même. Et là je suis bloqué. On se met un petit peu en vue intérieure, on va voir un petit peu ce que ça dit. Hop. What the fuck? Ah ouais, mais alors là. Attends, on va lever ça. Wow. On va essayer de reprendre dans l'autre sens. Si on peut. Est-ce qu'on va pouvoir? Ouais, mais là je me suis pris quand. Non, là je vais pas pouvoir. Faut que je fasse demi-tour là-bas. Parce que là, je ne vais pas y arriver. Et franchement, c'est chaud. Hein. C'est chaud. On va essayer de reprendre dans ce sens-là. On va voir ce que ça dit. What? C'est du n'importe quoi. Ah, c'est dommage parce que c'est. C'est vrai que la lame, quand elle déneige bien. Mais c'est loin d'être la. C'est loin d'être la meilleure lame pour faire ça. Hop, voilà, pousser dans le champ. Tac. Voilà, comme ça. Je pense que comme ça peut peut-être être pas mal. Voilà, c'est peut-être plus judicieux de faire comme ça. Ouais. Ouais, ça va y aller, ça va le faire, les amis. Hop. What the fuck? Oh putain, franchement, ce que j'aime bien sur ce tracteur également, les amis, c'est que le. C'est que les lumières sont vraiment bleues, style xénon un peu, vous voyez. Et franchement, c'est vraiment stylé. Oh putain, là il y a vraiment de la neige. Là, les amis, ça ne rigole plus. Ouais, ça va le faire, regardez, ça va le faire. Hop. Les arbres de collision, impeccable. Bon, là, c'est plutôt pas mal. Là, on va essayer de déneiger un petit peu par là-bas. Hop, voilà comme ça. Allez, on y va. Boum. Allez, on pousse. Voilà, on va pousser sur le côté. Nickel, ça y est. Ça va le faire, les amis. Ça va le faire. Regardez. Regardez ça. What the fuck. Essayez d'en mettre un peu sur le côté parce que sinon on va jamais y arriver. Là, c'est vraiment le bordel. Franchement, vu l'intérieur, c'est sympa. C'est plutôt pas mal. Hop. Allez, on y va. Ça avance. Hop, on va vider un petit peu ici. Ça a l'air d'être pas trop mal, hein. Ça déneige là. Oh, ça déneige bien, impeccable. Alors, on se remet en vue intérieure. Hop, non, franchement, c'est propre. Il faut prendre le coup de main, quoi. Par contre, là, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, le champ en face, là, je vais pousser en face. Hop, comme ça. Je ne sais pas du tout où est la route. La route est là, d'ailleurs. Comme ça doit partir là, je pense.
Ouais, comme ça. Hop. Là, comme ça. Elle redescend là. La route là? Merde, je pensais que. Elle est où la route? Sérieux? C'est une blague? Where is la route? Non, elle est là, hein. Elle est bien là. J'ai des conneries, boys. J'ai des conneries, elle est là. Hop. Donc on est sur la map, les amis, un coin de Bretagne, hein, pour ceux qui ne. Je sais pas trop sur quelle map faire ça, en fait, les amis, pour tout vous dire. Ah voilà, ok, là on arrive. Là on arrive au bourg. Hop. Enfin, au bourg, là où il y a des maisons. Hop. Tac. Comme ça. Voilà. On va pas le mettre devant, on va lui mettre devant sa porte de garage à l'autre, il va être content. On pourra pas sortir la voiture. Il va être content, le gars. Là, ça a l'air d'y aller. Ah, par contre, j'en laisse. Ouais, ça en laisse un petit peu. Ouah, mais ça va encore. Ça va. Ah, mais c'est que là. Ouais, aussi, il faudrait que j'y pousse là sur le côté. Là. J'y pousse là sur le côté, comme ça. Hop, désolé les coquelicots et compagnie là. Hop. Sur le toit de la maison, dans la fenêtre. Bim. Comme ça. On s'embête pas. Là, on va se mettre là. Allez, sur la voiture. Boum. C'est bien parce que c'est vraiment plutôt bien géré, je trouve. Parce que vous voyez, il n'y a pas de la neige partout. Il n'y a pas de la neige partout. Et ça, franchement, les amis, c'est plutôt bien géré. Je trouve. Franchement, c'est vraiment stylé. Hein. Par rapport au fait de mettre de la neige partout, vous savez, on peut mettre de la neige partout avec le Giant Editor. Et là, c'est chose que vous voyez sur la route, il n'y en a pas partout. Voilà, souvent sous les arbres, tout ça. Je trouve que ça a l'air à peu près réaliste. Et franchement, c'est propre hein, ce qu'on fait, les amis là. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à mettre sur un gros gros pouce bleu à cette vidéo-là, ça fait toujours plaisir. Hop, voilà, tac. On va être en vue intérieure. Ouais. Parce qu'en vue intérieure, c'est plutôt pas mal. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Vous voyez, là, il n'y a pas de neige, par exemple. Donc là, c'est bon. On peut lever. On va aller plus loin, par exemple. Alors là, je ne sais pas du tout où on est sur la map, mais ça passe, ouais, ça passe. Hop, là, on va rebaisser ici. Voilà. Tac. Est-ce qu'on peut aller? Voilà, ok, on va vider là, sur le côté. Voilà, comme ça. Non, je peux peut-être mettre la caméra, attendez. Est-ce qu'on peut mettre la caméra? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà, pour voir un petit peu. Juste pour voir un petit peu ce que ça dit derrière, comment on laisse le. Hop. Voilà. On est dans la haie, c'est pas grave. Tac. Hop. Comme ça. Ça, je suis allé y pousser en face. Voilà. Et franchement, les amis, c'est propre, hein. Y a pas à dire, et franchement, si ça c'est pas du beau déneigement, et franchement, c'est stylé. Donc, les émissions, on va faire ce qu'on va revenir un petit peu sur nos pas. On va juste replier les lames, on va revenir un petit peu sur nos pas, puis on va voir un petit peu ce qu'on a fait. Juste enlever les warnings, hop, on va voir un petit peu ce que ça dit, si on a plutôt bien géré ou pas. Hop, comme ça, voilà. Ah, franchement, c'est propre, ça va. Attendez, et si je baisse la lame là comme ça pour essayer d'enlever ça, est-ce que ça va l'enlever? Ouais, je pense. Là. Ah non, ça l'enlève pas. Non. Bon bah écoutez, tant pis. Ça fera une petite butte de neige ici. Ouais, non, franchement ça va. Hein. Franchement les gars, c'est pas dégueu. Hein. Je suis pas trop trop mal démerdé. Bon alors que là, il y en a dans la fenêtre. Là, pour sortir sa BM, il va en chier. Mais non, franchement ça va. Ça aurait pu être pire. Au début, je voyais mal barré. Mais bah, franchement, je suis dégoûté que cette masse ne marche, que cette masse, cette lame ne marche pas. Bon, il reste un petit peu, mais c'est rien de méchant. Que la lame ne marche pas, franchement, je suis dégoûté quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Hop, tac. Et là, ouais, donc là, c'était la ferme ici. Voilà. Ouais, bah là, c'est ce que j'avais fait au début. Bon, ça va. Là, c'est l'entrée de la ferme. Au pire, on s'en fout un petit peu. Les personnes qui vont venir à part nous.
Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, ça va. Je vais démarrer ici, je crois. Ouais, voilà. Bah écoutez, les amis, voilà, on est revenu à la ferme. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Voilà. Ouais, franchement, ça va. Hein. Franchement, c'est cool à faire. Franchement, j'ai bien kiffé. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse des vidéos sous la neige comme ça. Alors, je sais pas avec quel thème vous voulez voir, mais je sais pas trop ce qu'on peut faire parce qu'avec le mode saison, on est pas mal bloqué. Genre, on peut pas faire de récolte, ça va de soi. Peut-être qu'on peut travailler le sol, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez voir pour une prochaine vidéo. Je pense que ça peut être sympa. Et franchement, les amis, ce petit 700 là, il est vraiment juste magnifique. Bravo Arsenic Modding, pardon, d'avoir fait ce mode. Il est vraiment juste énorme. Vous pouvez mettre les chenilles aussi, je crois, sur ce tracteur. Vous avez énormément d'options, vous avez toutes les puissances possibles du 700. Vous pouvez mettre les chenilles en pneus larges, masse, tout ça. Enfin, bref, la totale. Donc, c'est vraiment un très beau mode. Voilà. Bah, écoutez, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, bien sûr, à cette petite vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!